Alors aujourd'hui, une vidéo unboxing. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. donc je faisais une vidéo unboxing. Bon, j'en ai un autre qui veut dire bonjour, mais il ne veut pas se laisser attraper. Bon, Fifi, allez, vite. De la boutique partenaire qui fait partenariat avec moi, donc mes petits jams, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau kit, enfin deux nouveaux kits. Bon, Fifi s'il te plaît, attends, descends parce que là ça va. À la base il devait y en avoir qu'un, voilà, elle m'avait proposé de choisir un kit et j'ai eu la surprise d'en avoir deux. Donc, Coralie, si tu passes par là, je t'embrasse et encore un grand merci. Donc, voilà, hein, vous voyez, mes petits diams. Je cache mon adresse, hein, bien sûr. Alors, c'est des kits encore un peu comme la fée avec les diamants spéciaux. Voilà, alors, attendez, je vais vider l'enveloppe. Je l'avais déjà ouverte, hein, mais j'avais déjà passé ma curiosité. Donc, c'est des kits avec des diamants spéciaux. Donc, ça, c'est le deuxième. Voilà, je vais vous montrer d'abord celui que j'avais choisi en premier. Voilà, donc je vous remonte sa petite carte, mais je vous remets tous les renseignements de sa boutique, les liens pour retrouver les kits que je vous présente aujourd'hui en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, voilà les deux kits. Voilà, vous voyez, bon, ce n'est pas des grands, hein. Mais ils seront comme pour la fée, ils seront tout aussi magnifiques. Alors, on va ouvrir le premier. Donc, toujours bien emballé dans une enveloppe bulle, emballé dans du plastique. Donc, comme la dernière fois. Et, allez, bouge tes fesses. Les petits conseils de mode d'emploi, voilà, qui accompagnent chaque kit. Pour celles qui ne connaissent pas encore le diamond painting, ça peut vous aider. Hein, ça vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça vous explique aussi un peu comment coller vos perles. Donc ça, c'est très bien fait et très important pour celles qui ne connaissent pas. Alors, j'ai le petit plateau, voilà, avec bon, le petit stylet, le petit plateau vert, le petit carré de glu rose, des petits sachets pour remettre les perles qui restera. Voilà. Donc ça, les perles, je vais vous les montrer après. Alors ici, je vois la toile en plus est pailletée. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais bon, alors je suis. Voilà déjà le dessin. Voilà, c'est un cheval avec des plumes. Je suis tombée amoureuse de ce dessin. Il est super beau. Alors je vais essayer de vous montrer que la toile est pailletée. Voilà, voyez, regardez. Donc, c'est vraiment super. Vous voyez, ça brille, ça brille, ça brille. Alors là, c'est une toile. Alors, ça fait 27 sur 37. Alors, je vais regarder le dessin. Alors, le dessin fait 20 cm. Ben sur 30. Voilà. Le dessin lui-même fait 20 sur 30. Voilà. Et la toile complète fait 27 sur 37. Voilà. Donc, il y aura... il y a 10 couleurs, enfin 10 sortes de perles différentes. Vous voyez, ici. Donc, on a les références ici en haut. Et on les a encore ici en bas. Voilà.
Alors, c'est toujours vraiment d'une super qualité. Donc là, l'autre jour, je n'osais pas repasser, puisque là, comme j'avais dit, avec le fin plastique comme ça, je n'osais pas donner un petit coup de fer à repasser sur l'envers, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas ce bondelage. Hein, bon, ça, c'est normal, hein, c'est le pliage de l'envoi, enfin, du stockage. Coralie m'a confirmé qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais très bien donner un petit coup de fer donc sur l'envers. Donc ça, je le ferai demain matin avant de démarrer la toile. Voilà, donc je filmerai peut-être donc le petit coup de repassage, comme ça vous le verrez. Donc voilà le premier. Je vais vous montrer les perles donc qu'il y a avec. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, je vais vous remettre le lien donc ici quelque part de la première vidéo unboxing, hein, le premier partenariat que j'ai fait avec Coralie, où je vous présentais Coralie au début. Donc pour celles qui n'auraient pas vu cette vidéo là encore, Coralie ne vient pas du tout du commerce, hein, ne vient pas. C'est une ancienne psychologue, voilà, qui a changé de branche professionnelle, voilà, et qui s'est mise donc dans le diamond painting, et qui a trouvé que cette activité avait un lien quand même avec son ancienne profession, puisque de toute façon, diamond painting est là aussi pour nous donner un peu de sérénité, du calme, nous vider un peu la tête, voilà, ce qui est tout à fait vrai de toute façon. Et donc elle a deux enfants qui aiment aussi faire le diamond painting et qui ont, alors attendez, j'ai oublié les âges, je l'avais dit sur la première vidéo, il y en a un qui a 4 ans et le deuxième c'est 6 ou 8 ans. Oups, enlève ta queue. 6 ou 8 ans, j'ai un trou là. Si Coralie, tu passes, désolée. Là, j'ai un trou. Mais je sais que le plus petit a 4 ans. Et donc, ils font tous les deux du diamond painting. Voilà. Ah, là, j'ai une perle qui veut s'en aller. On va la remettre tout de suite dans le sachet. Voilà. Alors, les perles sont des sachets zippés. Donc, je vais vous les montrer. Alors, voilà le 1. Donc, c'est des perles transparentes, un peu comme des petits diamants. Voilà. Le 2. Attendez, je cherche le 2. Il est là. C'est des rouges. Voilà, vous voyez comment c'est vraiment très brillant, hein. Que par là il y en a plus. Voilà. Le 3, ça va être des jaunes. Voilà. Le 4, c'est des bleus, un peu bleu marine, bleu roi. Là, des bleus un peu plus clairs pour le numéro 5. Numéro 6, c'est des roses un peu fuchsia. Numéro 7, alors c'est des demi-perles. Ils sont très jolies. Regardez, voilà, ça fait des reflets. Donc c'est des bleus mais avec des reflets un peu vert, un peu rouge, un peu. Donc là c'est des demi-perles. Le 8, voilà. Donc je vais mettre là. Voilà. Donc elles sont un peu plus grosses. Elles sont de couleur
pareil, c'est rose avec des reflets jaunes, orange, c'est très joli. Le 9, alors c'est des étoiles, elles sont jaunes orangées. Et le 10, donc c'est les grosses, comme ceci. Voilà, qui sont jaunes avec des, pareil, ça fait des reflets de toutes les couleurs. Voilà, donc on a 10 sortes de perles pour celui-là. Donc bien sûr, c'est celui-là que je vais faire en premier. Je vais le faire en même temps que ma cascade. Hein. Je ne vais pas attendre que la cascade soit finie pour le faire. Donc, je vous remontre donc celui-là, le cheval avec les plumes, que je trouve super beau. Alors, je vais vous montrer le deuxième maintenant. On verra ça mieux après. Alors, le deuxième fait partie d'une série de 4. Là, j'ai... Donc, j'en ai un de la série. Je ferai pour avoir les autres. Là, pareil, la toile est pailletée. Alors, ici... Donc, j'ai toujours le stylet rose. Là, j'ai une pince en plus. Le petit plateau, le petit carré de glu, les petits sachets. Voilà. J'avais aussi un paquet de sachets en plus avec des petites étiquettes pour mettre les numéros. Alors, celui-ci. Il y a 11 couleurs. Alors, je vais tout de suite le mesurer pour vous donner la taille. Donc, il fait 24 sur 24. Voilà. Donc, la toile en elle-même fait 30 sur 30, mais le dessin fait 24 sur 24. Voilà. Donc, c'est une série de 4. C'est l'arbre des saisons. Donc là, c'est l'hiver. Voilà, j'ai l'arbre de l'hiver. Voilà. Donc, il y a 11 couleurs. Il va être magnifique aussi. Et, ouais, il y a quand même beaucoup de perles à coller. Et donc, pareil, je vais essayer de vous montrer que la toile est pailletée. Alors, on va essayer de vous montrer. Voilà. Oui. J'essaye de me remettre comme tout à l'heure, si je retrouve la lumière, voilà. Pardon. N'ayez pas peur, hein, c'est juste la cigarette hein, qui me fait tousser. Alors... Désolée pour le bruit. Alors là, c'est des petits paquets. Donc, je vais vous les montrer comme ça en suivant. Voilà. Donc, voilà un premier. Là, les demi-perles blanches. Là, c'est son chapelet, donc je vais vous les montrer. Donc là, c'est des bleus des bleus clairs. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais ils sont clairs. Là, c'est des bleus foncés. Ici, j'ai des noirs. Et là, des bleus un peu turquoise. Voilà.
Et ici, donc, c'est en forme de pétales de fleurs, on va dire, hein, de gouttes d'eau. Donc, comme ceci. Donc là, ils sont blancs, hein, comme des petits diamants. Donc là, c'est des petits. Là, ils sont quelle couleur? Alors, c'est blanc aussi, mais ça fait des reflets rose, bleu. Voilà, donc c'est un peu plus grand, ceux-là. Là, des bleus. Là, plus grand en bleu. Et là, des petits en bleu plus foncé. Voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Non. Voilà, donc pour celui-là. Donc ça, je vais vous le remontrer. Donc là, c'est l'arbre, donc celui qui représente l'hiver. Donc comme je vous disais, celui-là existe. Donc vous pouvez en faire qu'un si vous souhaitez. Hein, mais c'est une série de quatre. Donc il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, et donc là, moi, je vous présente aujourd'hui l'hiver. On est en plein dedans. Voilà. Donc, je commencerai par le cheval. Et je ferai celui-là après. Je rangerai après pour ne pas faire du bruit. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais préparer les perles pour le cheval. Oui, je fais juste 10 secondes de bruit pour ranger les perles. Voilà. Comme ça, je reprends le tableau du cheval à côté de moi. Voilà. Donc, je vais ranger les perles avec vous. Alors, j'ai plus de... Comment ? Le rangement, c'est que je me sers. Là, je ne l'ai pas à côté de moi. Avec les petits godets qui sont mis par quatre. Donc, j'ai ressorti un vieux pilulier que j'avais d'action. Donc, celui-là, je vais le garder exprès, justement, bah, pour les diamond painting avec les perles, comme ça. Voilà, les diamants spéciaux. Comme ça, celui-là ne me servira qu'à ça. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mis des numéros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait au feutre indélébile. Là, je n'ai même pas mis d'étiquette. J'ai pris un feutre indélébile et puis j'ai mis au feutre directement dessus. Bon, là, par contre, avec le pilulier action, ce qu'il faut, c'est faire attention. Parce que si vous ouvrez une boîte, là, la boîte s'en va pas. Hein. Donc, vous faites attention que les autres boîtes ne s'ouvrent pas en même temps. Donc, c'est pour ça que celle-là, je ne vais m'en servir que pour ça. Que pour les kits de diamants spéciaux. Pas pour les autres. Pas pour les complets. Non. On ne va pas faire de bêtises. Donc, celui-là me servira que pour ça. Tout à l'heure, je disais, bon, je vais retourner à Action, acheter une boîte, les pitrons. Et puis, en fin de compte, j'ai dit, bon, j'ai un vieux pilulier. Ça me servira, ça me suffira très, très bien. Pourquoi dépenser des sous alors que j'ai ça à la maison, ça me sert. Donc je vais préparer juste avec vous les perles. Alors, pour ça, je vais vous baisser la caméra 2 secondes. Et on se retrouve. Donc voilà, mon pilulier, des ciseaux et mes perles. Donc là, en plus, les sachets sont zippés. Donc, s'il me reste des perles, ben, je n'aurai plus qu'à les remettre dedans pour les ranger. Dans la semaine, je vais faire un rangement de toutes mes perles qui me restent. Je vous montrerai. Alors, on va chercher le numéro 1. Donc, c'est ça le plus long quand on fait un DP. Bon, là, ça va, hein, y a que 10 couleurs. Mais c'est vrai que c'est ça le plus long.
Donc là, je ne vais pas jeter mes sachets. Hein. Non, le 1. Ben, vous voyez, je suis déjà en train d'en perdre une. Hop, il y a la 3. Le 2. Alors, le 2, le 2, le 2, le 2, il est là. C'est les rouges. Ça fait l'électricité statique. Ça reste collé sur le sachet. Allez, on va les ramasser à la main. Voilà. Il en reste deux dans le sachet. Je vois bien qu'elle sorte. Elle colle au sachet. Voilà. Non mais c'est qui le chef ici? On va pas se laisser, on va pas se laisser embêter par des perles. Alors le 3. Bon, celui-là je l'ai chiffré jusqu'au 28, mais en sachant que normalement les kits avec comme ça en diamants spéciaux, il n'y a jamais 28 couleurs. Hein. Pour l'instant, j'en ai encore jamais vu. Alors, j'essaie de vous montrer une perle, comment elle est. C'est tellement petit. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu. Je n'ai pas beaucoup de retours là, puisque j'ai baissé la caméra. Vous voyez, elles sont très petites. Mais elles brillent énormément. Alors là, on a fait le 3. Maintenant, il nous faut le 4. Donc, ce sera des bleus. Voilà, pour le 4. Ah, je crois qu'il y en avait une qui s'était faufilée en dessous. Le 5. Donc, les bleus un peu turquoise. En tout cas, je trouve ces kits vraiment d'une qualité superbe. Donc, je rappelle que si vous commandez donc chez Coralie, les kits, elle les a déjà en stock chez elle en France. Donc, si vous commandez sur son site internet, hein, le lien que je vous aurai mis en barre d'infos, vous recevez le kit sous 48 heures chez vous, en colissimo ou en lettres suivies, suivant l'épaisseur du colis, bien sûr. Mais en 48 heures, vous le recevez chez vous. Donc, vous n'avez pas à attendre pendant 15 jours, un mois, deux mois. Vous l'avez tout de suite. Et Coralie est vraiment très sympathique. Par le biais de sa page Facebook, que je vous ai remis aussi en barre d'infos, vous pouvez discuter avec elle directement. Elle est très accessible. Donc, si vous avez des questions ou quoi, il n'y a aucun problème. Sauver
le numéro 8. Voilà. Le 9, donc les étoiles. Et le dernier, donc les grandes en forme de goutte d'eau, le numéro 10. Voilà. Donc comme ça, j'ai... Bon là, du coup, vous ne pouvez pas les voir en transparence, hein, puisque sur celui-là, on ne peut pas voir. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc j'ai 10 petits casiers avec mes perles. Tout est prêt. Je n'aurai plus qu'à attaquer. Donc, je vous remontre, hein. Voilà. Alors, moi que j'en fasse j'en fais un petit peu avec vous aujourd'hui, juste quelques lignes pour vous montrer. Bah non, puisque j'avais dit que j'allais le repasser avant. Donc non, je vais le repasser demain matin et demain on le commencera. Voilà, c'est plus simple. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout... bon, là, c'est la colle, hein, c'est normal. Mais il n'est pas du tout, du tout abîmé. Il est vraiment nickel. Alors, on vient de ce côté-là. C'est juste le plastique qui fait des petites soufflettes, mais ça, c'est rien. Voilà, on le décolle et on le remet bien. Et c'est nickel. Donc voilà. Allez, je vous remonte. Voilà. Donc comme ça, aujourd'hui, vous aurez vu la préparation. Je vous ai présenté les deux kits. Je vous ai présenté la préparation des perles. Demain matin, je vais vous montrer le petit coup de repassage. Et on attaquera donc le kit ensemble. Donc, je verrai en combien de fois je vais le faire. Si je le fais en deux ou en trois fois, comme la fée, on verra. Voilà. Donc, je vous remonte. Donc, le premier que je vais faire, ce sera celui-là. Hein, donc, je vous rappelle, les kits viennent de la boutique Mes Petits Gams. Hein, donc, c'est une boutique qui est en France. Et comme je viens de vous expliquer... vous recevez les kits donc en 48 heures. Et vous avez également en barre d'infos un code promo qui vous permet de bénéficier de 10% sur votre première commande. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous en servir, hein. C'est toujours bon à prendre. Et puis voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, à me poser des questions, me dire ce que vous avez pensé de ce kit, de cette vidéo, de ma prestation. Non, de tout. Des petits pouces bleus. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller rendre visite à Coralie, hein, sur sa page Facebook, sur son site internet. Et puis, ben, si... Et puis, n'hésitez pas également à dire que vous l'avez connue par le biais de mes vidéos. Ça ne va rien me ramener d'autre, hein, mais bon, comme ça, moi, elle sait comment vous l'avez connue. Voilà, c'est plus simple. Et si vous lui faites une commande, donc n'oubliez pas de vous servir du code promo pour que vous puissiez bénéficier de vos 10%. Voilà, ça y est, je baille. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouvera demain donc pour le démarrage du kit. Voilà, je serai très heureuse de faire avec vous.
Donc on fera le kit, je prévoirai aussi l'encadrement. pardon, je prévois l'encadrement et puis quand cela sera fini, bah, après on fera l'arbre un peu à la fois. Voilà, entre deux, de toute façon, il y a la cascade qui est en train de se faire, qui avance pas mal. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous. Coralie, encore un grand merci. À très vite sur Facebook. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.